Allez, vas-y, donne-les-moi, vite! Quoi? Comment ça te les donner? Mais non, c'est à toi de me les donner! Non, 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 c'était ton jour aujourd'hui! Comment ça, c'était mon jour? Mais n'importe quoi, c'est ta semaine! Moi, je les ai ramenés toute la semaine dernière! Mais si toi, tu ne les as pas et que moi, je ne les ai pas, comment on va faire? Il n'y a pas 36 résolutions à ce problème, hein. On va juste manger des heures de colle comme d'habitude. Et tout ça par ta faute encore une fois, tu m'as déjà fait le coup. Moi, j'ai déjà fait le coup? Non, c'est toi qui as fait le coup la dernière fois, je te rappelle. Quand je te dis que c'est ta semaine de faire les devoirs et de les ramener pour que je puisse te copier, c'est que c'est ta semaine. Mais comment ça, c'est ma semaine alors que déjà toute la semaine dernière, c'est moi qui ai ramené les devoirs. Là, c'était ton tour de faire les devoirs pour que je te copie. Ah bon, écoute, tant pis, c'est pas grave. C'est pas comme si on avait l'habitude de se manger des heures de colle pour des devoirs qui n'ont pas été faits. Viens, déjà qu'on est en retard, parce que je t'attends. Comment ça, parce que tu m'attends? Moi, je suis venue devant chez toi, je t'ai attendu, c'est pas de ma faute, c'était parti sans moi. Sarah et Louise, comme vous n'avez pas fait vos devoirs comme d'habitude, eh bien ce sera 2 heures de colle après les cours. Comme ça, vous aurez le temps de faire les devoirs qui seront donnés pour le lendemain. Eh ben, je te remercie pas, hein, ça rate vraiment pas du tout. Ouais, c'est ça, Louise, garde la face, tu vas voir, après on va régler ça. Je vais t'exploser ta tête, tu vas voir. C'est ça, ouais, garde ton énergie pour tout à l'heure, tu vas morfler. Louis, c'est bon, je sais que tu te caches dans cette cabane. Vas-y, sors que je t'explose là. Je vais te lancer une grenade de toute manière. Ah ouais? Eh ben, devine quoi? Moi, au moins, il me reste de l'armure. Toi, il te reste plus rien. Ça veut dire que si je te mets une seule balle, eh ben, tu meurs. Je t'avais dit qu'après les cours, je te réglerais ton compte. Et c'est ce qui est en train de se produire. T'as juste à montrer juste un petit bout de ta tête et tu meurs. C'est ça, ouais, bien sûr, Sarah. Crois-y très fort, hein, parce que moi, en attendant, hein, c'est moi qui détiens le record du top 1. Allez là! Et voilà, j'ai gagné. C'était pas compliqué. Regarde, encore une fois. Mais n'importe quoi, t'as pas gagné! J'ai juste plus de batterie dans ma tablette! C'est tout, elle s'est éteinte! Eh ben, ça revient même. Ça veut quand même dire que j'ai gagné. Non, je suis pas d'accord! T'as mis 30 ans et en fait, t'as même pas sorti de ta cabane. T'étais caché, tu campais. T'as attendu exprès pour que je perde toute ma batterie. C'est pas du jeu, t'as triché. Et donc, pour demain, c'est à toi de faire les devoirs. Ça ne devrait pas se passer comme ça. Je suis pas d'accord. C'est n'importe quoi. T'as triché. Pas de ma faute si t'es nulle, Sarah. C'est bon, là. Bon, de toute façon, il fallait que je rentre parce que ce soir, il y a mon grand frère qui rentre de son internat et on mange en famille. À plus. Ouais, c'est ça. À plus, la rageuse. Moi, faire les devoirs, et puis quoi encore? C'est elle qui devrait les faire, elle a triché. Et puis en plus, si on s'est mangé 2 heures de colle aujourd'hui, c'est à cause d'elle, donc c'est mort, je ne ferai pas les devoirs. Sarah, descends en bas, on mange. Ok, j'arrive, maman. Les filles, si vous êtes encore convoquées dans mon bureau, je commence à avoir l'habitude parce qu'en plus vous êtes mes élèves dans ma classe, vous n'avez toujours pas fait vos devoirs. Et là, c'est la goutte de trop. Tous les professeurs se plaignent de vous, vous ne faites jamais vos devoirs. Au début, ça restait quand même occasionnel. Mais là, vraiment, c'est tous les jours où vous venez les mains dans les poches comme des touristes. Et même quand vous veniez avec vos devoirs, c'était vraiment du copier-coller l'une sur l'autre, mais on fermait les yeux là-dessus parce qu'on en avait marre. Maintenant, c'est bon, ça suffit. Mais monsieur, c'est de sa faute! Tu rigoles ou quoi? C'est complètement de ta faute à toi! Arrêtez d'essayer de retourner la situation! C'est de votre faute à toutes les deux! Vous ne prenez pas vos études au sérieux, alors que c'est vraiment très important dans votre vie, vous ne vous rendez pas compte? Je ne comprends pas comment on peut atteindre ce degré de laxisme! Je vous laisse une semaine durant laquelle vous allez venir assidûment en cours toutes les deux avec vos devoirs. Et si vous venez avec vos devoirs toute cette semaine, je fermerai les yeux sur tout ce qui s'est passé. S'il arrive une seule fois que vous veniez sans vos devoirs, vous serez exclu. Que ce soit l'une ou l'autre, ou bien toutes les deux. Pour que l'on puisse peser le pour et le contre, monsieur le proviseur, est-ce que vous pouvez nous dire la sanction, elle est de combien de temps en fait? Louise, est-ce que j'ai l'air de plaisanter? Je parle d'une exclusion définitive. Définitive, genre une semaine?
Mais c'est pas possible, sur qui je suis tombé? Non, définitive, à tout jamais, vous êtes viré complètement de cette école et vous devrez aller trouver une autre école. Et bon courage à vous et surtout à vos parents, puisqu'il n'y a pas d'autre école à Brookhaven. C'est super grave comme sanction. Il faut qu'on se reprenne. Louise, c'est ta semaine de faire les devoirs, d'accord? Vous allez toutes les deux me rendre dingue. Je tiens à préciser que si vous vous ramenez avec exactement les mêmes réponses, vous serez toutes les deux virées également. Ça ne comptera pas. Mais monsieur, c'est ultra compliqué de faire des devoirs. Vous nous dites de faire un truc impossible. Ce n'est pas mon problème. Maintenant, vous sortez de mon bureau. D'accord, monsieur, mais est-ce qu'on peut négocier, genre, on fait un jour sur deux les devoirs? J'ai dit sortez! Comment on va faire? On ne s'en sortira pas. Ça, tu peux le dire. Je sais pas qu'est-ce qui va se passer, mais là, le week-end, il faut qu'on trouve un plan d'action. Est-ce que tu penses qu'il y a moyen qu'on raquette les devoirs aux autres de la classe? Tu rigoles ou quoi? Ils vont nous casser la tête. T'as vu, ils ont trois fois plus de bras que nous, ils ont deux têtes de plus. Ouais, c'est vrai, mais moi, je peux pas me permettre, hein, parce que sinon, ma mère, elle va m'envoyer dans un internat. Et je veux pas aller dans un internat, on n'a même pas le droit de prendre notre ordinateur dans un internat. Tu te rends compte, ça voudrait dire plus de jeux vidéo? Oui, je sais, je te rappelle qu'avant de venir ici, j'étais dans un internat, je sais très bien ce que c'est. Et moi, je ne peux pas non plus, mes parents n'ont même pas les moyens de me remettre dans un internat. Et tant mieux, parce que franchement, j'ai pas envie d'y retourner. Mais on a le week-end pour réfléchir, et il faut qu'on trouve une solution. Mais en attendant, il faut que je finisse mon niveau de Candy Crush Saga. Ouais, et t'es niveau combien? 3699. Je m'en viens attendre le palier 3700. Et pourquoi pas le 4000 avant la fin du week-end? Mais Sarah, on avait dit qu'il faut qu'on trouve un plan. Ouais, je vais y réfléchir demain, mais toi aussi réfléchis-y, hein. J'ai pas envie de réfléchir pour deux comme à chaque fois. Ah, oui. Salut Louise, t'es déjà là? Comment ça, je suis déjà là? Ça faisait une heure qu'on avait rendez-vous ici. N'importe quoi. Arrête, on avait rendez-vous là maintenant tout de suite. Ah ouais? À quelle heure? 14h, non? C'était ça? Ouais, et il est quelle heure? 14h58. Voilà. Oh, t'es chiante, hein, parce que j'ai dû attendre ici sous le soleil jusqu'à que tu arrives. Enfin, on avait dit 14h, mais on n'avait pas dit 14h combien, hein. Ça aurait pu être 14h pile, genre 14h00 ou 14h58. Tant que c'était à 14h, hein, donc moi, je suis pas en retard. C'est ça, ouais, vis dans le déni. Mais ça résout pas le problème. T'as réfléchi à qu'est-ce qu'on peut faire pour les devoirs? J'ai réfléchi toute la nuit. D'ailleurs, j'ai passé une très mauvaise nuit. Je suis ultra fatiguée, je suis en colère. Je sais pas qu'est-ce qu'on va faire. Et toi, pour une fois, est-ce que t'as réussi à trouver une solution à ce problème? Comment ça, pour une fois? Je te rappelle que c'est moi qui ai trouvé la solution pour le boss final du dernier jeu qu'on a fait. Ok, je te la laisse, c'est là. Mais sinon, une autre solution par rapport à notre problème pour les devoirs, réfléchis. Enfin, je sais pas. Comment qu'on va faire? Bonjour les filles. J'ai entendu que vous aviez un problème et moi j'aime bien résoudre les problèmes. Quel est votre problème? Hein? Notre problème? Ben, en fait, c'est que on n'a pas le temps de faire nos devoirs et on va être punis si on les fait pas. Et puis, les devoirs, c'est difficile. D'accord, mais pourquoi vous n'avez pas le temps de faire vos devoirs? Par exemple, là maintenant, vous n'auriez pas le temps? Non, on n'aura pas le temps parce qu'on s'est donné rendez-vous aussi pour pouvoir jouer aux jeux vidéo. Et on peut pas faire les devoirs et faire du jeu vidéo en même temps, c'est pas possible. Si vous aimez bien les jeux vidéo, pourquoi vous ne prenez pas la vie comme un jeu? Comment ça, prendre la vie comme un jeu? Je comprends pas, vieux monsieur, expliquez-nous. Ben, c'est pas compliqué. Dans vos jeux vidéo, vous avez sûrement des missions à faire. Et ben, vous avez qu'à faire la même chose dans la vraie vie. Vous vous dites que votre mission, c'est de faire vos devoirs le plus rapidement possible. Ou bien même faire d'autres choses dans la vie, comme par exemple aider vos parents à faire votre vaisselle. Ça peut devenir un jeu avec des niveaux de difficulté. Par exemple, finir la vaisselle avant que vos parents ne rentrent. Ce genre de choses, ça fait des petits défis dans la vie et c'est amusant. Ah ouais, mais t'imagines, Louise, on ferait des compétitions là-dessus? Tu veux dire quoi par des compétitions? On peut pas faire des compétitions là-dedans, ce n'est pas un jeu vidéo. Mais si, on peut prendre ça comme un jeu vidéo, par exemple. Tu sais, genre là, on a un devoir de français pour lundi. Eh ben, celui qui fait la meilleure dissertation et qui a la meilleure note, il a gagné. Ah ouais, parce que tu penses que tu peux me battre, même sur ce terrain-là?
Totalement. Je te rappelle que en sixième, hein, c'était moi qui faisais les devoirs de français, donc impossible que tu me battes. Tu sais quoi ? Défi relevé. Par contre, pour les mathématiques, hein, là, t'as zéro chance. Hein, parce que 1 plus 5, ça fait pas 15, ça fait 6. Non, mais moi, je vais te battre le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi. Enfin bref, t'as compris, je vais te battre tous les jours avec les devoirs. Essaye toujours. Oh, eh bien, je pense qu'elles ont plus besoin de moi. On en parle qu'on écoute quand même les conseils d'un vieux monsieur. Comment ça, de quel monsieur tu parles? Ben lui, là, à gauche. Quoi? À ta gauche? Mais il n'y a personne, qu'est-ce que tu racontes? Mais c'est vrai qu'il n'y a pas quelqu'un qui nous parlait là tout à l'heure, je sais plus, un sort de vieux schnock là, comme ça. Ouais, enfin, je sais pas, bizarre. En tout cas, à ces compétitions, je vais faire top 1. C'est ça, ouais, crois-y bien, bien fort, ma pauvre. Les filles, je ne sais pas ce qui s'est passé durant cette semaine, mais vous avez fait une remontada exceptionnelle dans vos bulletins scolaires. C'est incroyable, je n'ai jamais vu ça. Vous êtes les élèves, les meilleurs élèves de l'école ex aequo. Comment c'est possible? Je ne sais pas, vous avez les meilleures notes partout. Dites-moi, est-ce que vous n'avez pas, par hasard, triché? Ah non, monsieur, hein, la triche, c'est pas ouf, hein. Nous, tricher, n'importe quoi. Mais par contre, monsieur le directeur, faut augmenter la difficulté, là, ça devient trop facile. Oui, enfin, doucement, ça rassure les blagues, hein. Restez correct, tout de même. Mais monsieur, ne blaguez pas, c'est trop facile. On a des bonnes notes partout. À un moment donné, faut augmenter le niveau du jeu. Bon, ok, je ne vais pas vous répondre à ça, je vais rester calme. Puisque vous avez des bonnes notes et que j'ai envie que vous restiez dans mon école, vous augmentez vraiment bien les statistiques scolaires de Brookhaven. Maintenant, vous pouvez repartir, votre sanction est levée, vous n'avez plus rien à craindre. Sarah, ça te dit une nouvelle compétition? Vas-y, propose Louise. La première d'entre nous qui trouve l'antidote pour soigner toute l'humanité de toutes les maladies. Qu'est-ce que t'en dis? Intéressant. Là au moins il y a de la difficulté. Pas comme dans cette école qui est bien trop facile. D'accord, mais moi je te dis, t'as déjà perdu, c'est moi qui vais gagner. D'ailleurs, j'ai pas le temps, faut que j'y aille. Ouais, c'est ça, ouais, je te laisse un temps d'avance, hein, parce que de toute manière, tu vas perdre. Toujours plus, ces deux-là, je n'y crois pas.